Ben, ce serait pas mal de pêcher là. T'as vu, il y a des branches dans l'eau là. Salut les pêcheurs, je suis avec mon fils, Sohan. C'est reparti, hein. Ça fait un petit moment que je n'avais pas pêché avec lui. Ce matin là, il fait super bon, donc c'est un peu plus agréable la pêche. Hein. Ouais. Voilà, ça motive un peu plus. On n'a pas préparé notre pêche du tout. Donc si on prend un poisson, ce sera pas mal. En plus, on est là seulement 3 heures. Swan pêche avec 2 cannes, moi avec 2, donc sur 2 spots séparés. Et puis on va voir ce que ça donne. On croise les doigts. Tiens de droite, vite, vite, vite. Vite, 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 celle de droite, ramène-la. Vite, 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 vite. Mouline, 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 mouline. Allez, Swan a un poisson. Ouais, c'est bien ça. Alors, je vous explique le truc. Hein. On a tout oublié. Sohan a pas de détecteur, le pauvre. Il a rien. Il a posé ses cannes comme je pêchais quand j'avais son âge, quoi. Donc, sans rien du tout. Et heureusement, on a vu la touche de retour. C'est génial. Et je suis vraiment content que ce soit lui qui touche un poisson. Super. Doucement, doucement, laisse la terre. T'arrives au bon moment. Ouais. Ça va ? La forme. Ça va, toi ? Elle est belle, là, t'as vu, elle est toute fine. Deux beaux poissons, on les a fait en plus quand il y avait Aurélien et son fils. Et comme on dit, jamais 203, hein. Il nous reste une heure de pêche, donc peut-être qu'on fera un troisième poisson. Si on en fait un, je pense que ce sera du côté de Sohan, parce qu'on a vu une belle carpe sauter. Donc le poisson est en activité. Là où on pêche, on a le vent de face, hein, et c'est pas un vent froid, hein, il vient du sud. C'est peut-être pour ça, hein, je pense qu'on est bien placé. Parce qu'on n'a pas amorcé là où on pêche, hein, on a balancé ça comme... comme on pouvait, avec des sacs solubles. On a mis dans le sac quelques baby-corns. Aussi des bouillettes écrasées. Puis des bouillettes écrasées, voilà. Donc, on a pris des poissons de passage. Je pense qu'on est au bon endroit et affaire à suivre. Putain, t'as même des godasses. Il se lavera les mains après.
Voilà, on ramasse quand même les merdes. On essaye de faire ça à chaque fois. Il y a celui de la chaussure. Même. Carrément, il y en a même là.